C'est quoi ça, se voit refaire, refaire. Il y en a pas mieux, c'est rien. Tu te moques de qui là? Ta tête là. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je sais pas. Non, 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 ouais. Arrête, arrête, c'est pas bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo au McDonald's. Wow. On a un nouveau burger à venir tester qui n'est pas halal et nous on va le halaliser. Vous allez voir. On a un sac à dos. C'est vraiment pas pour rien. Ouais, c'est pas moi. C'est Myriam, c'est Younes pour le nouveau burger. C'est parti. Comment on va procéder? Regardez. Je trouve dans la poche. Ah, on peut payer avec ça? Non. Toucher pour commander. Est-ce que vous avez des identifiants? Non. On mange sur place. On paye en. Tu payes encore? C'est pas ma carte. Hein. Oh, carte bleue, ça me creva. Alors, le nouveau menu, il est là. Dans menu, vous allez. C'est un McFlurry. On va sélectionner le. S'il est là. Signature mozzarella. Alors voilà, on va le personnaliser. On va enlever la viande. Ok, tac. Il faut aussi des frites. Il y a des frites spéciales aussi, mozzarella et sauce pesto sans viande. C'est carré. Une glace là, dans les glaces là-haut. Une glace. Attends, moi je veux les frites comme ça. Very perfect. Prends-moi celle-là, celle qui est là. Saveur vanille. C'est carré avec un petit coulis caramel. Caramel. On allait faire le McDo halalisé, mais il y a des sœurs, je sais pas comment je peux les appeler. Tu peux les filmer, vous les passez. Elles sont grave pas discrètes. Mais vous croyez. Donc là, venez, je vais vous expliquer un truc. T'as vu, il y a le nouveau burger qui est sorti. Ouais. Mais il y a de la viande, donc on peut pas le manger. Ouais. Il faut le halalisé. Ouais. Ça veut dire ça, rien. Dans le sac. Est-ce que vous connaissez la technique? On a une petite boîte. Ça va passer sur YouTube, baby. Ouais. Oh là là. Oh, là. Tu dis ta gueule, non. Bon, regarde, là c'est le nouveau hamburger. Ok. On a pris sans viande. Ouais. Ok. Presque. Là on a un grand steak de poulet. On va le mettre comme ça. Et là nous avons un McDo halal. Vous connaissez pas la technique? Non. Les, test. Attends Myriam, enlève le sac. Il se met de l'air, test. Ah, skip, il est grave bon. Vas-y, test. Bon, en fait, j'avais vu une vidéo de vous, je pense. C'est pas trop grave les croquets faits, vraiment. Dis-nous ce que t'en penses. Franchement, il a l'air excellent. Oh, il y a mozzarella. Incroyable. Alors? J'aurais mangé, mais il y a trop de pouca. Vous allez dire, j'ai raté mon régime, tout ça. Vas-y, c'est-à-dire que je peux même pas te goûter. Ça va, tu vas y aller le manger chez toi. Comment tu sais? Je mange pas. Regarde, tu veux savoir pourquoi? Regardez, comme par hasard, il en a pris deux. Non, mais ça, c'est pas pour moi. Comme par hasard. C'est pour les gens. C'est ton régime. Ouais. Mais moi, je mange pas, il y en a que deux. Vous avez mangé, vous? Ouais, on a bien mangé. Vous avez pris quoi? On a pris quoi? Il est au fichier McFair. Ouais. C'est carré. Mais vous en avez pas marre de manger au McDo? Non. Il y a des hamburgers halal ailleurs, des restaurants. Et là, ils m'ont nargué quand ils ont mangé parce que j'ai pas mangé. Genre, parce que je voulais pas d'être cachant, tu veux pas payer. Ouais. C'est dans des restaurants. Mais c'est pas cher. Ça, c'est comment? C'est 10 euros. C'est pas 10 euros. Je te promets, c'est 10 balles. Mais moi, le menu que j'ai acheté, j'ai payé 5 euros. Non, c'est un menu McFlurry, c'est normal. T'as acheté quoi? Oui, t'as acheté qu'une frite. Non, j'ai acheté un menu complet. Là, franchement, il y a des restos, tu payes 10 balles, c'est incroyable. Bon, Myriam, Maxicro. Hein? Maxicro. Bon, allez, fais-leur montrer cette Myriam. Fais-leur montrer. Maxicro, Maxicro. Ah, Maxicro. Maxicro. C'est de la mozzarella, c'est du fromage, t'inquiète, c'est bon. Oh là là. C'est moi, je lui ai appris ça. C'est moi, je lui ai appris ça. C'est bien, Myriam. Les filles, elles mangent comme ça. Je commande pas. Vas-y, ça, c'est un 280. Yacine, il m'a dit de le prendre. Ça, c'est le meilleur truc, ça. Il n'y a pas de viande aussi. Mais du coup, on graille comment? Tu coupes la moitié et tu mets dans ça. Essaye. On va essayer. Là, je suis en train de faire un tuto halal. Hop, Yacine, il m'a dit c'est meilleur. C'est le meilleur sandwich du McDo, celui-là. C'est ton préféré? Essaye, tu verras. On habite au McDo, nous. Quoi? Tu savais pas? Tu me dis, tu préfères lequel, Myriam? Mais t'as cru qu'ils allaient bien trop bien, t'entends? Alors? Je
Il est claqué. Tu veux dire, il est... tu veux dire c'est éteint. Les deux sont bons. Les deux sont bons, mais c'est qu'il est que le meilleur. Celui-là le meilleur. Ah, t'avais raison, elle a préféré celui-là. Il est incroyable celui-là avec le pain. Non, mais celui-là il donne vraiment envie à la famille. En tout cas, est-ce que vous avez une petite dédicace à passer? Non, oui. Oui, je vais vous faire bien. Eh, faites un bouffé à vous. Tout ça. Redis. Faites un pouce bleu et abonnez-vous tous à eux. C'est les meilleurs. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. Ça fait super plaisir. Non, mais t'as quel âge? T'as 14 ans là? Non, c'est grave. Et à 13 ans, ouais. Ça passe vite le temps. C'est bien. Tu regardais quoi? C'était quoi avant? Attends, c'était quoi les vlogs Ramadan et tout? Ouais. Oh, soldat. Moi, j'ai une vraie question à vous poser. C'est quoi votre truc préféré au McDo? Ils ont choix entre Ouais, moi c'est la glace. La glace? Moi c'est la boisson. C'est quoi la boisson, laquelle? Coca. Ok. C'est la première fois que j'entends ça. Et toi Myriam, c'est quoi ton truc préféré au McDo? C'est ça ton nouveau truc préféré maintenant? C'est incroyable. Viens, on en reprend avec de la viande. Je rigole. Bon, on sent vraiment le plateau du boss. Regardez le régime. Il vient au McDo avec ça. Mais frère, après ça va me balancer du nez s'il a mangé du McDo. C'est très grave. Hein. Voilà. Ah ouais. Comme ça, là, vous pouvez rien dire. Là, vous pouvez rien dire. Là, là vous pouvez rien dire. Grave. Mais regardez, si vous réfléchissez bien. Là, regardez, il y a de la viande, des tomates et du fromage. Non, mais ça, c'est congelé, c'est éclaté. Et là, c'est pareil. Il y a des légumes, de la viande. C'est éclaté, frère. Elle a quel âge, Myriam? A ton avis, tu donnes quel âge? 8 ans. Elle a 8 ans? Ouais. Elle a le même âge. Vous, vous avez 13-14, non? Elles sont plus grandes que moi, je suis la seule à avoir. Je suis la plus grande. Toi, t'as 13, tu m'as dit? 12. 10. Vous êtes grande pour 10 ans. 12. Vous êtes en CE2? En CE2. Oui. Vous allez aller au collège? Avec votre gros cartable. Vous passez tous au collège là, il n'y a personne qui revient. Non, non. C'est bien, non, c'est bien, c'est bien. Toi, tu vas aller en quatrième. Ouais. Ça redouble, hein. Ah, ça, c'est pas carré, ça. Non, c'est parce que je redouble. Parce qu'on a pas. Ouais, déjà, on a passé une bonne journée tout à l'heure. Sinon, vous nous avez pas dit, vous vous appelez comment? Je m'appelle Ayla. Chacun votre tour, chacun vous fait de là jusqu'à là. Je m'appelle comment? Awa. Ayla. Ok. Wendy. Yasmine. Inès. On va poser jusqu'à sa voix alors. Il y a elle Elle ne veut pas être filmée peut-être. Non, elle ne veut pas être filmée. Elle veut pas être filmée. Respectez ceux qui ne veulent pas être filmés. En tout cas, ça nous a fait plaisir de fou. Voilà, merci beaucoup. Et moi, ça m'a fait plaisir. Moi, tu débutes. Par contre, vous n'êtes pas discrète. Non. Vous passez à côté. Non, mais c'est ça. C'est les youtubeurs. Oh là là. Mais est-ce que quand vous dites ça, genre c'est les youtubeurs de ce moment, vous pensez qu'on ne vous entend pas? Non, mais je te jure que moi, j'étais aux toilettes. Et c'est pas elle, me parle. Moi aussi. Il y a des youtubeurs. Mais elle crie grave fort. Même les gens là-bas, ils entendent. C'était pas prévu. Mais on a vu plein de personnes. C'était trop marrant. Alors, il est incroyable ou pas? Pas. J'ai envie de taper un méchant croc. Il y a peut-être la mozzarella, viens voir. Mais ça, c'est dégueulasse, ça. Pourquoi? La mozzarella. Toi, tu connais que tes crottes de nez, tu connais rien. Moi, je suis team emmental. Non, et d'ailleurs, c'est une bonne chose que les. Que le McDo il est pas halal parce que franchement les steaks du McDo ils font vraiment peur. Je sais pas c'est quoi qu'ils mettent dedans, mais franchement ça fait grave peur. Commencez pas. Au revoir. Au revoir. Je triche pas, je peux pas faire cheat meal tous les Attends, jours. Attends, on va analyser ton assiette. Pourquoi il y a de la sauce barbecue là? J'ai le droit. C'était pour mettre dans l'hamburger. C'était pour tremper. Mais non. Mais si. Elle est tellement folle qu'elle peut le faire. Je te promets, c'est trop bon. Essaye sucré salé. Mais quoi, tu fais juste ça. Tu prends ça, ça et ça. Tu sais que ça peut être grave bon. Il est malade. C'est pas bon? Désolé. Tu vois, elle a goûté au sucre, elle a un peu plus salé. T'as eu le sucre? Elle a goûté au sucre. Les enfants et le sucre, c'est une grande histoire d'amour. Mais moi, frère, dès que si je commence à goûter ça là, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il va prendre dans son sac encore? Un coca. Quoi? Coca zéro. Alors ça, pour ceux qui me demandent, ça fait pas grossir? Et ça fait pas maigrir. Et c'est pas bien. Mais c'est pas bien d'en manger, d'en boire trop. En gros, il y a 0 calories. C'est que des produits chimiques. Mais c'est ultra bon. Du coup, Myriam, une note sur 10 sur ce que tu viens de manger là. 10 carrément. Par contre, il y a un truc, elle a raison. Les tomates dans les hamburgers, c'est dégueulasse.
Ça, c'est vraiment une chose à faire quand vous prenez un hamburger, enlever tout le temps les tomates. Tout le temps enlever les tomates, c'est éclaté. C'est ça le problème des enfants. Ouais, elle n'arrive pas à finir, donc c'est pas grave. Vu qu'on a ramené ça, on va mettre celui-là dedans, que sa papa il va goûter. Celui-là, on va le mettre dedans aussi. Donc celui-là, on va le mettre dedans. Je vais pas le manger, hein, c'est bon. Aïe. Tac. Tac. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous. Et puis voilà, hein, si normalement ils sont carrés. Ouais, ils sont carrés, ça va. Bon, vas-y, coupe la vidéo, j'ai faim. Ouais.